Salam alaikoum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau hijab tuto. Ça sera un hijab tuto pour si on est invité à un mariage ou autre. Donc moi je vais faire ça avec du noir et du doré. Vous après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour ce hijab tuto tout simplement. Je trouve que le noir et le doré sont des couleurs qui se marient bien ensemble. Et en plus des fois on peut trouver des super belles robes, des tkcheta. Donc tkcheta c'est des robes... robes marocaines en noir qui sont juste magnifiques. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ces deux couleurs-là. Donc pour ce hijab tuto, il va nous falloir un bandeau comme d'habitude, un foulard et une boucle d'oreille. Vous allez me dire, mais pourquoi une boucle d'oreille? Je vais vous expliquer bien sûr. Parce que, en fait, avec la boucle d'oreille, on va faire un effet genre. Je sais pas comment vous dire. Un peu princesse, mille et une nuits, un truc comme ça. Donc voilà, après il y en a, ils vont aimer, d'autres non. J'espère que vous allez aimer. Donc voilà. Alors, je vais commencer par mettre justement la boucle d'oreille. Donc la boucle d'oreille, elle ça. Donc il y a un truc comme ça, je vais vous montrer. Et faut juste l'accrocher en fait tout simplement au bandeau. On la met bien au milieu. Donc voilà, soit on la met bien en bas comme ça, soit on la remonte un peu. C'est par rapport à vraiment ce que vous aimez. Donc voilà. Donc voilà déjà première étape, c'est ça. Deuxième étape de ce hijab tuto. On va prendre son foulard. Alors, je vais juste retirer une pince, puis elle va accrocher. Désolée. Je vais faire des têtes bizarres des fois, mais bon. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir accrocher avec une pince ici. Le bout. Donc après, ce qu'on fait, c'est que donc on a bien accroché le bout là, ça fait comme ça donne ça. Ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre une pince pour accrocher ça pour que ça soit bien serré. Voilà. Revient avec le hijab qui est celui donc ce côté-là. Oh. Non, c'est pas comme ça, hein. Vous inquiétez pas. On reprend une pince. Et voilà, on a notre hijab pour un mariage, si on est invité quelque part. Si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces comme ça aussi. Peut-être que ça pourrait faire pas mal aussi. On va essayer ça tout de suite. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ça fait bien, j'ai bien plaqué. Je vais lever pour vous montrer.
Voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli, ça fait simple et joli. Donc voilà, après si... Moi je trouve que pour un mariage, voilà, qu'on ne se fait pas trop non plus de mettre ce truc-là, et ça fait un petit peu mille et une, jasmine et tout, quoi. Sinon, je voulais vous conseiller un truc, un petit truc, quoi, plutôt. C'était de voir les vidéos de GossipNet. Donc, elle fait des tutos make-up. Et il y a un tuto make-up, justement, parce que le truc, c'est quoi? Je vous explique vite fait. Donc moi souvent en fait je fais ça avec une boucle d'oreille et elle l'a fait vraiment avec le truc spécial, truc d'Indien et tout, Bollywood et tout. Et franchement ça redonne, ça donne super bien aussi. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un super beau make-up. Donc je trouve qu'il irait hyper bien avec ce hijab tuto d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez voir ces vidéos, c'est GossipNet. Donc je vous laisserai le lien juste en bas de la vidéo pour aller jeter un coup d'œil. Et comme ça, vous avez le tuto hijab et le tuto make-up. Voilà. À très bientôt les filles. Salam alaikum.